Un codin, c'est un dindon. C'est la forme syncopée de coq d'Inde. Car à Boulogne, coq se dit co. Un co d'Inde, c'est un codin. La femelle du dindon, la dinde, c'est la codaine ou la codine. Le petit de la dinde, c'est le dindonneau. Le codin vient non pas d'Inde, mais d'Amérique du Nord. Christophe Colomb, qui débarque en Amérique centrale en 1492, pense être arrivé aux Indes en faisant le tour de la Terre. Alors le codin, moi je ne connaissais pas vraiment l'origine, mais j'ai découvert effectivement que c'était le coq d'Inde, hein, parce que ben, Christophe Colomb, quand il a découvert l'Amérique, il croyait arriver en Inde, et c'est comme ça qu'il a baptisé les bestioles qu'il a rencontrées là-bas, qui étaient des codins de maintenant, quoi. Lorsque les Espagnols ont conquis le Mexique au début du XVIe siècle, les missionnaires jésuites ramenèrent en Europe des coqs et des poules d'Inde qui se diffusèrent en quelques dizaines d'années sur tout le continent européen. D'ailleurs, en Normandie, on a longtemps appelé les dindons des jésuites. Au Moyen-Âge, tout ce qui venait des Indes était synonyme d'exotisme, comme les cochons d'Inde, les marrons d'Inde. Avant 1492, quelques dindons avaient été ramenés d'Asie en France par des marchands. Par la suite, le terme « poulet d'Inde » est simplifié en dinde. On dit le dinde pour le mâle et la dinde pour la femelle. Selon certaines sources, ce sont les Gaulois qui ont découvert l'Amérique. Comme le dit Astérix, le dindon glougloute. Ulsonieuse de Codin, c'est celle qui garde les dindons. Dans le temps, les dindons étaient engraissés, ingavés, avec des vitelots, des morceaux de pâte cuits dans du lait que l'on trempait dans de la bière. Et avant, dans les fermes, c'était quand même assez exceptionnel un codin, hein, parce que c'est une bestiole qui est assez méchante quand même, hein, et en général, elle cohabitait mal avec les poules, les coqs et tout ça. Et donc les codins, c'était assez rare, puis ben, il n'y avait pas la vente, je dirais, comme une poule, un poulet ou bien un coq. Le codin, c'était quand même une viande réservée à Noël, hein, donc on élevait quelquefois toute l'année pour une seule période de l'année où il était utilisé. Ce qui fait que dans les fermes, on était assez rationnel à cette époque-là. On n'élevait que ce qui était intéressant à commercialiser ou à utiliser. Donc on avait un ou deux codins parce qu'on savait que c'est ceux qui allaient être vendus, mais sans plus, quoi. Dans le Boulonnais, le lendemain des Guénelles, c'est Noé, Noël, avec les plats traditionnels, du codin et de le tête à Adèle, du pudding. Grand-père Barbeau, il avale comme un tonneau. Il a mangé trop d'haricots, et du codin et du gigot. Ouais, codin, bon, au départ, c'est le dindon, hein. Donc d'ici dans le coin, ben, le codin, il est bien connu, puisque Lick a fait la spécialité du codin, hein. Alors, avant, quand on parlait de codin, c'était souvent à Noël. Hein, en parlant des gens qui étaient à l'aise ou un truc comme ça, on disait, bon, à Noël, ils mangent du codin. Hein, parce que c'est vrai que c'est on voit partout qu'on mange du codin. Puis maintenant, ben, le codin, c'est devenu une viande tout à fait banale, hein, puisque moi j'ai toujours été surpris parce que quand on voit tout ce qu'on tire d'un codin, on a l'impression que c'est une bestiole énorme, quoi. Hein, on voit des gigots de codin. et en fait, compte, bon, c'est quand même une bête imposante, c'est vrai. Aux États-Unis, on mange du codin le 4e jeudi de novembre, le jour de Thanksgiving. De quelqu'un d'impatient qui ne sait pas rester en place, on dit il piétine comme un codin, il est toujours impatient, on dit. Il frappe des pieds par terre, il trépigne. Arrête de te prémousser comme ça, t'y pitié donc. T'es piétine comme un codin. Arrête. D'un petit enfant capricieux qui fait une colère en tapant des pieds, on peut dire oh, puis ce matin, il a les nerfs à bout, il piétine pire qu'un codin. Je sais pas quoi qu'il a, mais alors depuis ce matin, il piétine pire qu'un codin. À un petit enfant qui reste trop longtemps sur son pot, on peut dire ah, tu tiens, ma codin, que je te torche à deux mains. As-tu fini, mon petit dindon, que je puisse enfin t'essuyer les fesses? Avoir un estomac comme un codin, c'est avoir un gros ventre. De quelqu'un de gros, on peut dire ouais, lui, il a un ventre comme un codin. Lui, il a un ventre comme un codin. Tu peux me coller dessus comme tu veux, de toute façon. Tu sais, ça glisse comme sur les plumes d'un codin, vieux. Tu peux me crier dessus, ça ne m'atteint pas. Ça glisse comme l'eau de la pluie sur les plumes d'un dindon. Tu peux gueuler sur lui autant que tu veux. Ça glisse comme des pleuves sur les plumes d'un codin. La roupie de codin, c'est l'excroissance charnue, la partie molle sous le bec des codins. Des dindons, et que l'on appelle la caroncule. Être roupiave, c'est avoir de la roupie au nez, le nez qui coule. Guette-le, lui, il a de la roupie de codin sa nez. Guette-le, il a de la roupie de codin sa nez. Guette, ça coule. De quelque chose qui n'a pas de valeur, on peut dire. Oui, mais ça, c'est de la roupie de codin. C'est quelque chose sans importance, c'est une chose insignifiante. Ouais, ça, c'est de la roupie de codin, ça vaut rien. De quelqu'un qui fait le fier,
Tout comme le dindon, pour impressionner la femelle, on peut dire « Lis pavane comme un codin ». On lit, dites-le. Il fait martamment, il se pavane comme un codin. Alors, ces codins, eh ben oui, ils sont souvent utilisés dans le langage populaire pour quelqu'un qui essaie d'impressionner les autres. On dit « Ouais, je sais pas la peine, t'es là que t'es bas des ailes comme un codin, mais t'es m'impressionne pas. » Hein, ça se retrouve de temps en temps, parce qu'un codin, c'est quand même une bestiole relativement imposante, avec des ailes puissantes. En Normandie, on appelle les codins des picots, car les codins font la roue, comme les pans. Les peacocks, en anglais. Guette-moi ces deux codins, ils se carpillent pour Anglais. Les madames. Regarde ces deux idiots se battre pour une fille, alors qu'ils n'ont aucune chance. Ah, guette-moi ça, ces dames codins. Ils sont là à se carpigner pour Anglais. Oh là 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 là. De quelqu'un qui joue les fiers à bras, qui brasse de l'air, qui remue de la poussière pour se faire remarquer, on dit... Guette-le, oh, il bat des ailes comme un codin, fier cul. Le dindon bat des ailes et soulève de la poussière pour intimider un adversaire. Il bat des ailes comme un codin. Il gesticule, il fait des grands gestes pour rien. Il bat des ailes comme un codin, style. De quelqu'un qui a toujours les mains dans les poches quand il marche, on dit... Ouais, bah allez, on va dire qu'il a mangé du codin, guette-le. Alors tire tes mains de tes poches et... Regarde, il a mangé du codin, il a ses mains dans ses poches. Marcher avec les mains dans les poches donne une démarche chaloupée, comme un dindon. Il a mangé du codin, il tient encore les pattes. Guette-le, lit. Il a mangé du codin, il tient encore les pattes. À quelqu'un qui a les mains dans les poches, on peut dire... Ouais, tiens, t'as mangé du codin, t'es tient encore les pattes. Guette-me. Tiens, t'as mangé du codin, t'es tient encore les pattes. Sors donc tes mains de tes poches, va. De celui qui a les mains dans les poches et marche en se dandinant comme un dindon, on peut dire... Le codin y est passé. Dinde et dindon sont souvent des termes péjoratifs. Une dinde, c'est une femme ou une fille prétentieuse et sotte, ou bien une femme de grande taille avec un long cou. Un dindon, c'est un homme vaniteux et stupide, donc facile à berner. Être le dindon de la farce, c'est être celui qui se fait plumer, se fait avoir. Plumer la dinde ou le dindon, c'est extorquer de l'argent ou des biens à une personne facile à tromper et à dépouiller. Vous pourrez bien faire dire donc à la fin de l'envoi, vous auriez bien dû rester le... Vous pouvez vous larder, dindon. Quand on passe à côté de quelqu'un en haut d'une échelle, ou perché sur un arbre, sur un escabeau ou une chaise, on peut dire... Oh, regarde, il va faire beau demain, les codins, ils sont jouqués. Il fera beau demain, les dindons sont perchés. Il va faire bien demain, les codins, ils sont jouqués. On peut dire aussi... Le temps, il va tourner, les codins, ils sont jouqués. Le temps, il va tourner, les codins, ils sont jouqués. De quelqu'un de pas malin, d'empoté et de maladroit, on peut dire... Guette-me, quenièvre, espèce de codin. Espèce d'idiot, espèce d'andouille. Le dindon passe pour un animal stupide. C'est bien sûr faux. Mon espèce de codin, vous. De quelqu'un de pas très dégourdi, on dit... Espèce de codin de Lic. La région de Lic est réputée dans tout le pays boulonnais, et au-delà, pour ses dindes d'élevage. Alors, ce fameux dindon, c'est vrai que dinde en, Lic en a fait sa spécialité, hein. Il y a un abattoir de codins, un abattoir à volaille à Lic ou aux alentours. Là. Et puis, grand défilé de codins au moment de Noël, hein, des bêtes qui font le défilé dans les rues, qui est une attraction qui est devenue touristique et fort suivie, parce que bon, c'est sympathique, ils en font tout un, ils en ont fait tout un spectacle, hein, avec dégustation de soupe aux codins, et tout ça. Hein, ils font un peu des trucs, des brochettes de codins, un barbecue de codins, tout ça. Ils mettent bien en valeur ce fameux codin qui... À Boulogne, d'un homme pas très vif, on dit... Eh, grand codin, guette-me. Guette-me ça, espèce de grand codin. Espèce de grand bêta, espèce d'idiot. Les grands passent pour être plus idiots que les petits. C'est faux, bien sûr. Ce sont des médisances de petits. Têteux et grand codin. Oui, c'est ça, les têteux, grand codin. Rien de grand codin, guette-me. Oh, rien de grand codin, style. Saurez-vous retrouver le chien qui protège le codin? Faites pause, si vous voulez prendre le temps de chercher. Saurez-vous retrouver la fermière qui surveille le codin? Allez, je vous aide. Grand-père Barbeau, il a un vat comme un tonneau, il a mangé trop d'haricots, et du codin et du gigot. Oh, guenel, guenel, tchoupa, tchoupa, tchou, lavez vos écuelles et léquez vos plats, si vos fils sont belles, on les mariera.
Si elles sont pas belles, on les laissera là, et tralala, et le bandit passera par là. Et je colle des violettes pour ma petite fillette, je joue du violon pour mes petits garçons.